Ce qui entoure quand même le métier du football, beaucoup ne le savent pas. Mais voilà, c'est facile de critiquer, c'est facile de... Voilà, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est pas un souci. Ce métier, il y a des hauts et des bas. Aujourd'hui, voilà, je passe un moment très très difficile en club, ça il faut le reconnaître. C'est pas parce que je suis pas performant, c'est des choix. C'est des choix. C'est vrai qu'au début, ça a été vraiment compliqué, sincèrement compliqué. Heureusement, il y a ma famille à côté qui m'a vraiment permis de surmonter tout ce moment-là. Et après, je me suis remis en question aussi. Si ça ne va pas, c'est sûr, il y a des choses, voilà, il y a peut-être des trucs que je ne fais pas bien et tout. Le travail que je fais au quotidien en club, tout le monde le voit. Le coach ne me dit pas que non, ce n'est pas pour tes performances, non. Mais je travaille tous les jours. Chaque semaine, je travaille comme si c'est moi qui vais jouer le week-end. C'est ce que je fais. Il y a aussi la sélection, parce que le club est descendu en national. Et quand on est en national, pendant la trêve internationale, il n'y a pas de repos en club. Donc le coach m'a fait comprendre directement que soit tu restes, ou soit voilà, c'est la sélection. Donc moi, j'ai mon pays. C'est mon pays, je vais, voilà, c'est ce pays-là, c'est ce drapeau-là qui m'a fait aujourd'hui que je suis reconnu, voilà, en France, où j'ai joué en première division et tout. Mais je ne peux pas dire non quand l'équipe nationale m'appelle. Donc aujourd'hui, c'est une des raisons qui font que, voilà, en club, c'est difficile que je joue. Mais après, voilà, c'est pas le plus alarmant pour moi. Je continue quand même de travailler. Je sais que, voilà, il y a les coupes là que je joue souvent. Mais c'est comme ça, je les prends. Et vous voyez les réelles raisons, bien sûr. Bon, Satuné Alagbe, il a évoqué les difficultés en club. Les difficultés qu'il a actuellement en club. Et en tout cas, vous voyez, en national, il n'y a pas de trêve. Comme il a dit, il n'y a pas de trêve. Et vous êtes obligé de rester. Il n'y a pas de trêve. Et bon, comme il est tout le temps appelé en sélection nationale, on lui a demandé de faire un choix. Bon. Est-ce que tu vas accepter être toujours en sélection nationale ou bien tu vas te consacrer au club? Et il a choisi, bien sûr, la sélection nationale. Vous l'avez entendu. Les joueurs vivent des situations que souvent on ignore et on pense que le joueur n'est pas performant, le joueur est ci, le joueur est ça. Alagbe vient de raconter, bien sûr, cette situation qu'il vit. C'est vrai qu'il n'est pas titulaire, mais il joue des matchs en coupe et tout. Donc, en tout cas, un jour, il trouvera le club qui pourra bien sûr le titulariser. Maintenant, en sélection nationale, c'est sûr que les entraîneurs sont déjà au courant de cette situation. Il est le numéro 1 en sélection nationale et il joue. Et il n'est pas ridicule en sélection. Il n'est pas ridicule. C'est vrai que, bon, voir votre gardien titulaire qui n'est pas titulaire dans son club, ça fait un peu mal. Mais il travaille au quotidien, comme il a dit. Mais rien ne remplace, bien sûr, le match en week-end. Faites vos appréciations, donnez vos avis, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. Pour ceux qui ont envie de faire ce type de contenu, jusqu'à aboutir à la monétisation et être payé, bien sûr, par YouTube, plus 229 53 63 87 30, appelez ce numéro ou écrivez à l'adresse mail en commentaire épinglé et en description. Ciao.